La médecine se déplace souvent pour venir faire des recherches sur les plantes qui guérissent. Donc aujourd'hui, on est devant les plantes que nous on soigne beaucoup de maladies avec. Surtout cette plante-là, il fait son travail. Tu as vu ces fleurs-là aussi, il fait son travail aussi. Chaque plante a son travail. Voilà, ces fleurs-là aussi, ça guérit. Ceux qui ont les tensions, les diabètes, je guéris les gens de cela. Avec ses fleurs, avec ses feuilles. Maintenant, son racine aussi fait son travail aussi. Donc, on travaille avec ses racines aussi, qui sont en bas de la terre. On déterre les racines. On travaille avec les racines aussi. Les racines, elles ne sont pas beaucoup, mais un peu qu'on gagne, on fait son poudre. Donc, les garçons qui sont faibles au lit, bon, ces racines-là, je travaille ces poudres-là pour les donner. Maintenant, ceux qui sont très faibles au lit, ça va les donner la force. Donc, voilà un peu d'efficace sur les racines aussi. Ses frères aussi, avec ses filles. Bon, je traite des diabètes, des tensions avec ça. Donc, on est un peu en brousse, on va marcher un peu encore pour voir si on peut avoir des autres. Voici certaines feuilles encore que je prends pour soigner hémorroïdes, hémorroïdes internes. Ceux qui ont des hémorroïdes internes, ces feuilles-là, elle est très efficace pour les gens qui souffrent des hémorroïdes. Hémorroïdes internes, et puis avec les hémorroïdes qui sortent aussi. Il y en a quand ils s'en vont à la vaisselle, derrière là ça sort. Ils ont des constipations chroniques, ça guérit ça aussi. Donc à tout à l'heure.